Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur Far Cry Primal. Et on s'était donc arrêté sur une belle prestation de chasse à l'élan. Et là on va chasser un monstre très rare, il s'agit du croc de sang. Alors on va partir le chasser, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir un tigre encore plus puissant que celui que j'ai. Enfin, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre comme comme souhait, mais moi j'ai envie d'avoir ce tigre. Et après on va continuer à faire des petites quêtes ensemble et à développer un peu notre village. Mais là franchement je veux partir à la chasse à ce tigre, encore de la chasse. Et mais ce jeu se met vraiment, il y a vraiment que de la chasse, donc on va se lancer dans ça. Alors on va monter par là-haut. J'espère que je vais pas me faire attaquer par un ennemi ou par une bestiole. Oh, encore des dolls. Oh là là. Ah, c'est best. Bon. Notre tigre va te faire la fête au sanglier. Voilà. Petit sanglier qui ne survivra pas. Il y a même des chèvres. Ah oui, c'est vrai, ici il y a toujours des chèvres. Hop, on va monter là-haut. Et on va aller se faire ce petite bébête. Je sais pas si vous vous rappelez de la chasse au blaireau qui était un peu longue dans un des épisodes. Alors je trouve un moyen d'en avoir rapidement. Il faut tout simplement aller à l'autre endroit que j'avais désigné en fait. Tout simplement. Et il y en a pas trois fois plus, mais il y en a pas mal. Il y en a beaucoup plus, on va dire. J'ai réussi à en avoir 4 en à peine 2-3 minutes. Ce que je trouve raisonnable, on va dire. Là, il y a une grotte. Je me demande d'aller. Non, c'est pour aller pas dans cette grotte. C'est sûr et certain. L'ours brun, on a tué Booba les gars. On a tué Booba. Hop, j'avais oublié de refaire des flèches. Donc faut pas oublier de reprendre du bois. Alors, ouais, les ours, franchement, ça commence à devenir tellement facile à les tuer que ça en devient ridicule. On va prendre le couteau berserker. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faudrait que je reprenne aussi ça, une barre de portée pour pouvoir en avoir jusqu'à 6 au tutol. Ok, je vais vous dire pourquoi on a pris les lames berserker qui sont juste là au fait. Tout simplement parce qu'elles rendent fou les ennemis. Et du coup, enfin, vous allez me trouver un peu sadique, mais ça, c'est marrant de voir s'entretuer en fait. Ça fait moins d'ennemis à buter. Ok, c'est mieux toi. Ok, on récupère un peu de bois. Et la bête n'est plus très loin. Là, franchement, je crois que c'est. Il faut monter la montagne petit à petit. C'est un bête d'ours. Ouais, c'est un putain d'ours quand même. Bon, on va récupérer de la viande, on va la donner à mon petit Puma. Hein, ça va Puma? Hein, tu vas manger? Non, c'est moi qui vais bouffer. C'est le mec qui bouffe de toute façon de l'animal. Allez, viens là. Voilà. Mais je peux pas te donner à manger. Je peux pas te nourrir. Donc en gros, tu meurs, on est dans la merde. Alors, il y a une chasse de maître de bêtes dans les environs. D'accord, donc là on va prendre les appâts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info dessus sur cette bête? Votre groupe de chasse au début qui a tué la tombée de la nuit, prévisez-vous le dent de sabre qui a tué. Ouais, on va essayer de l'apprivoiser. Tiens, mon petit bébête. On va le soigner. Ah.
Franchement, moi je vais envoyer mon hibou. J'ai pas envie de niquer cette quête pour super en fait. J'ai envie de l'avoir. J'ai envie de d'apprivoiser cette bête. Cette belle bête. Bravo, c'est une belle bête. Celle qui a buté notre groupe. Putain, du bout. Oh là là, mon hibou il s'est pris un mur. Tout simplement. C'était marrant ça, franchement. On me l'a jamais fait. On me l'a jamais fait ça. Un hibou qui se casse la gueule contre une paroi. Je crois que c'est la première de ma vie ça. Ah oh, putain. Ça doit être là là. Ça doit être par là obligatoirement. Franchement, on doit pas être trop loin de sa tanière. Faut savoir que normalement, il doit être dans sa tanière, on est en plein jour. Et ce genre de bête chasse la nuit. Alors viens mon jaguar là, mon petit puma. Alors déjà tu vois, on voit qu'il y a eu un camp tu vois. Donc normalement, il est là. Alors là, je vais sauvegarder. Franchement, j'ai pas envie de perdre ce. C'est assez impressionnant, quand même. Quand même. On peut aller plus vite, c'est cool ça. Pour l'instant, rien en vue. Et franchement, je vois que le combat il va être trop doutable quoi. Franchement, ça va faire peur là. Je stresse un peu de cette un peu la. Je sais pas pourquoi c'est assez. Il fait assez nuit, tu vois. Il fait assez sombre. Enfin, c'est nuit, c'était pas français. Donc il fait assez sombre et. C'est frustrant, enfin. J'ai l'impression qu'il peut tomber à un moment ou l'autre sur le dos. Le mec il me fait vraiment en mode fufu tu vois. Il a pas envie de rater ça. Il a vraiment pas envie de... J'ai vraiment pas envie de rater tout ça. Ouais, je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va être là. Ouais. C'est cinématique. Chasse au gros de sang. Oh, petite nuit mortelle. Alors, les zones de fouille, c'est pas une grande bête. Certaines des grandes bêtes peuvent être apprisées, mais elles doivent d'abord être vaincues. Si vous mal, les blessures infligées aux grands bêtes seront conservées lors de votre prochaine rencontre. Ok. On va y aller.
peux. Hop. D'avoir un petit indice ici. Ah, il a dû laisser les indices, objet. Ah, il y en a un là. En fait, on va suivre les pattes. Ah, là. Ok, t'es dans la zone, ouais. Ouh. Oh putain, ça, ça il attend dans découpé en rondelles là. J'adore la petite ambiance qu'il y a pendant la chasse. C'est vrai que j'ai mon petit puma avec moi, mais même pas le petit puma, il serait buté en 2-2 quoi. Ouais, je vais vous donner de la viande. Ah bah là, il chassait les Wenja, maintenant il chasse les dames. Donc on va le laisser buter les dames. Pister à l'aide. Ouais bah ouais. Il doit être dans les parages. Un cadavre. Je crois qu'il a déchiqueté quoi. Il a même bouffé un bras. Oh, la chasse c'est top. T'as de l'angoisse, t'as. Ouais, j'ai aussi des ressources. Je vais quand même cueillir du bois, on sait jamais. Bon, normalement, on peut rush jusqu'à la prochaine objectif. Et là, je crois qu'il a fait. Oh putain! Ah, j'ai cru qu'il allait se rattraper, mais non. Il préfère faire le feignant. Ok, putain. Moi, je me fous des coups flip tout seul. Nouveau point de réapparition, ok. Moi je dis c'est par là. Je sais pas ce que vous en dites mais. Non j'ai dit descendre, j'ai pas dit monter. Ok, on redescend. Hop. Voilà. Ah il y a un problème de touche. Je crois que ce sont inversés. Faudrait que je règle ce problème. Ouais. Hop. Ah non. Tu vois, je lui demande de descendre, il veut pas. Ok. Ce genre d'invention est très utile, mais tellement pas réaliste. Normalement, j'ai entendu un grognement par ici. D'accord. On a fait peur aux ours. On fait peur aux ours. Bon, tout à l'heure, ils avaient pas trop peur là, mais là, celui-là, il a fui comme je sais pas quoi. Il a dû se dire, ah il a tué mon frère, ah je me casse en courant, ah. Bref. Et hop, il a été blessé donc normalement on va pouvoir l'avoir.
Allez. On descend tranquillement. Donc, je crois que ça va être là la zone de chasse. Je sais pas, vous la sentez vous aussi là le... Je pense pas, j'ai l'impression que c'est encore enquêté dans la zone. Ouais. Putain, mais il a fait un carnage ici. Ouais, il a peut-être pas peur. Bon, là on se retrouve quand même face à des rhinocéros. J'ai pas trop envie de leur faire du mal là, eux. Hein. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire très mal. Pour grands animaux. Quand vous chassez une grande bête, vous pouvez avoir des repères sur votre carte. Vous pouvez vous poser des pièges. Approchez-vous d'un de ces endroits et utilisez vos ressources pour en fonctionner. Ah, il y en a un là. Je vais peut-être mettre un piège ici quand même. Ouais, on va mettre un piège ici. Comme un chasseur Wenja, tu vois. Guarpati, Wenja, Waitata. Wenja, chasasash. Dantan kuspas guama, aish chamshamas. On va aller reposer vous jusqu'au crépuscule. Ouais, bah c'est parti, hein. On va se reposer jusqu'au crépuscule. Et vraiment, faut que je l'apprivoise, tu vois. Donc, je vais faire en sorte de. Je vais tout faire en sorte pour l'apprivoiser. J'ai envie d'avoir cette bête dans ma collection. C'est un peu connard ce que je fais, mais j'ai envie de l'avoir en tant que bête. Tu vois, donc je vais faire en sorte de bien sauvegarder tout ça. Je vais préparer les pièges direct. Je vais couper du bois vite, vite, vite. Pas tarder. Pas une compétence pour ramasser plus de bois. Ah les enculés. Je crois qu'il m'en manque plus qu'un. Ouais. Alors je sais pas ce que c'est. En tout cas nous, on va activer le piège là-haut. Vas-y. On va le poursuivre. On l'a bien blessé là, normalement. On devrait pas avoir de mal. Mais non, mais non, mais non. Faut pas me dire que j'ai fait ça pour rien.
Bon, bah on y retourne. On y retourne dormir quoi, c'est... Ouais, on va retourner dormir en fait, parce qu'on n'a pas réussi à le poursuivre assez rapidement à cause du loup. J'ai perdu un peu de temps je pense à cause du loup, comme un con. Je vais mettre un piège quand même ici. On va récupérer du bois parce que je pense que c'est ce qu'on a vraiment besoin. C'est du bois. J'espère l'avoir là, franchement. Ah les gars, c'est mon but là. C'est mon but. Oh les gars et les filles, pardon, excusez-moi, je sais que je peux avoir un public féminin, on ne le sait, on ne sait jamais. Donc du coup, hop, j'ai récupéré du bois. Les pièges, bon, ils ont tous pété quasiment, donc... Et tous mes alliés ont fui. Alors... Magnifique chargement. Ah, t'imagines là, il est devant toi là, un ton de fer. Coucou, je vais te tuer. Il va pas tarder à arriver, dans tous les cas. Personnellement, je l'attends. Ouh, ouh. Putain non, j'en ai plus du tout. Arrête de le poursuivre. Faut le suivre, c'est tout. On le suit, on le suit. On va y arriver. On va trouver sa tanière dans tous les cas. Putain, le loup, par contre, faut faire attention. Allez, allez, on y va, on y est presque. Je cours pas assez vite, je trouve. On a dû lui faire bien mal quand même pour qu'il. On dirait un chien de sac à bois. Putain. Ça court vite ces bestioles là. Il est en train de perdre tout son sens ce connard. Il peut pas nous distancer là. Mais pourquoi je peux pas monter? Vas-y. Ah, ça en est presque. Ah là, je peux pas le rater là. En tant que chasseur, ce serait une honte. Où ça tanière? Bon, on va allumer le feu quand même.
pas mal de viande à récupérer là. Ok. Il est passé par là. Apprivoiser. Oui, on a réussi. Ah oui. On a réussi à apprivoiser un gros minou là. Oh, fou. Un épisode pour apprivoiser cette bête, mais franchement, ça en valait le coup. Elle est magnifique, admirez ça. J'avais pas allumé ma lampe torche parce que je pouvais rien voir. Je pouvais pas attaquer avec. Allez, franchement, elle est magnifique cette bestiole. Là, on peut confectionner quoi là? Je sais pas, on parle de confection et après on parle de rien du tout. Ah ouais, pas mal quand même. Ours provisionné avec un. Approvisionné, ouais. Non, mais c'est tellement. Ah, c'est lui qui fait permettre la chevauchée. Elle est magnifique. Faut avouer, elle est magnifique cette bête. Regardez-moi ça. Du coup, on va aller voir. Du coup, après cette chasse formidable. Enfin, c'est un grand mot. J'ai déjà débloqué. Franchement, juste en, avec cette chasse, j'ai fait quasiment tout le tour de la map. D'en bas. Du coup, on va aller voir ce mec directement. En déplacement rapide. Ah, je suis content, j'ai réussi à chasser une putain de bête. Et elle va vachement être vachement utile. Enfin, je l'espère. Dans les jours qui viennent. Et elle va être dévastatrice. Elle est force K5, vitesse 5, discrétion 3. Franchement, je crois qu'il n'y a pas de bête aussi puissante. T'as le look un peu plus discret. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Alors, étant donné que ça va être par là, est-ce que ça vaut la peine que je plonge? Moi, peut-être pas. Hop, on va quand même faire de l'escalade acrobatique à la manière du zoo. On continue notre. Ah putain, mais il me faudra de la bête. Tue une bête. Boum! Wow. Là, franchement, il m'a fait un carnage là. Ok. Je récupère mon sagaie. C'est cher à fabriquer les sagaies. Ouais. J'en ai perdu beaucoup sur ce putain de dents de sabre. Et franchement, il m'a beaucoup aidé. Je peux toujours appeler mon jaguar. Non, je veux pas mon niveau. Hop, on récupère un peu de tout. Je récupère vraiment tout là. Et dans tous les cas, moi je vous dis, on se retrouve pour l'épisode 10 juste après.